ce samedi 6 février. France 2 diffusait Secours Pop, la grande soirée et Florence Foresti était invitée. Mais un détail a particulièrement agacé les internautes. Le non-respect des gestes barrières de la part de l'humoriste, Daphné Burr, qui présentait ce samedi Secours Pop, la grande soirée. Le but de celle-ci était simple, récolter de l'argent pour le Secours Populaire à travers une tombola géante. Parmi les lots proposés, on pouvait visiter la maison de Serge Gainsbourg avec pour guide privilégié Charlotte Gainsbourg. Vous pouviez également avoir un sac de Catherine Deneuve qu'elle a déjà porté ou encore avoir l'avion de Barbie du très célèbre sketch de l'humoriste. Entre les lots, certaines personnalités venaient faire des petites pastilles histoire de divertir les téléspectateurs. Un détail qui n'a pas échappé aux internautes, Florence Foresti a donc fait un sketch dès le début de l'émission. L'humoriste faisait part de son plaisir de retrouver enfin le public après l'absence de scène depuis quelques mois maintenant à cause de la crise sanitaire de la COVID-19. Mais durant ce dernier, Florence Foresti a fait part de son enthousiasme, mais peut-être un peu trop au goût des internautes. En effet, elle n'a pas arrêté de toucher Daphné Burr qui est de lui parler très proche, un non-respect des gestes barrières qui n'a évidemment pas échappé aux internautes. Sur Twitter, les réactions à ce sujet ont été nombreuses, bravo les mesures Covid, entre Foresti qui crache à la gueule de Burki qui elle, semble stressée et cherche à l'esquiver, malaise flagrant, ou encore Florence Foresti n'a pas très bien compris la notion de 1 mètre de distance. Par JF.